Classiquement, le métier de psychologue dans le service public hospitalier consiste à accueillir la souffrance psychique des personnes en difficulté, que ce soit pour une évaluation ou un soutien psychologique, voire une psychothérapie. Comme je travaille avec une équipe pluridisciplinaire, je suis amené à collaborer avec différents professionnels. Au-delà des temps individuels que je passe avec mes patients, je propose des groupes divers, il y a des temps d'accueil que je peux organiser. Et il y a aussi tout un travail de reprise et de supervision avec les collègues dans le cadre de leurs activités cliniques. Un des aspects importants du métier de psychologue, c'est l'actualisation des connaissances. C'est permis dans le statut des psychologues de la fonction publique d'avoir ce qu'on appelle un temps FIR, c'est-à-dire un temps formation, information et recherche, qui permet d'aller se former. D'abord, c'est le travail dans le secteur public de la psychiatrie. C'est quelque chose qui est important pour moi, dans l'esprit de proposer un service à la fois de qualité et gratuit, donc accessible à tous, à toute la population. C'est quelque chose d'important pour moi, notamment du fait que je travaille à la fois dans l'intra- et l'extra-hospitalier. C'est un établissement qui est ouvert à plusieurs approches. Je suis de formation plutôt psychanalytique, avec une orientation de notre service sur la psychothérapie institutionnelle. Mais c'est une approche qui peut s'articuler à toutes les autres approches qui sont disponibles dans l'établissement, à savoir la systémie, la neuropsychologie, les approches cognitives comportementales, la réhabilitation psychosociale, etc. On se sent plutôt en confiance. Il y a le souci de la part de la direction de fidéliser ses agents et on sent vraiment qu'on peut travailler en confiance réciproque avec l'équipe de direction et l'équipe d'encadrement. C'est un métier qui demande avant tout une qualité essentielle, c'est l'écoute. Ça peut paraître simple, mais ça demande beaucoup de finesse et beaucoup de patience. La deuxième qualité qui me paraît importante, c'est à la fois la créativité et la curiosité. Aller à la rencontre de nos patients dans leurs univers qui sont parfois lointains, il faut vraiment avoir une fibre parfois créative pour le faire. Enfin, une des qualités essentielles pour moi dans le métier de psychologue, c'est l'articulation parfois difficile entre le sens des responsabilités et l'humilité. Savoir porter sa voix, assumer sa vision, tout en pouvant reconnaître ses erreurs et ses doutes.